J'ai toujours su qu'il y avait une fille qui m'était destinée. Et cette femme particulière me ferait découvrir la vie, par amour pour moi. Je saurai quand je la découvrirai, parce que mon cœur me préviendra. Linda est justement cette femme. N'y a-t-il pas de meilleur moment pour fêter notre amour qu'aujourd'hui? La Saint-Valentin. Quelle magnifique soirée, mon chéri. Je ne m'imagine pas être avec quelqu'un d'autre. La première fois que je l'ai vue, j'ai su qu'elle était tout ce que je voulais. La beauté, l'honnêteté, la pureté. Elle était un cadeau envoyé par les dieux. Et maintenant que nous sommes ensemble, personne ne se mettra entre nous. Parfois, je me demande comment parmi des millions de personnes, Linda et moi avons pu nous rencontrer. Mais je crois qu'en creusant la question, j'ai la réponse à cette énigme. C'est le destin. Cette nuit sera la nuit la plus mémorable de ma vie. Linda et moi allons commencer notre vie commune après toutes ces années passées à se rechercher mutuellement. Écoute, Linda, je voulais te poser une question, je peux? Oui, quoi? Je voulais savoir si tu voudrais être mon épouse. Tu voudrais te marier avec moi? Ah, tu me connais à peine? Oui, mais mon cœur n'a pas besoin d'en savoir davantage sur toi. Ah, je trouve que tu vas vite en besogne. Je veux dire, c'est une erreur. Qu'est-ce qui est une erreur? Ah, eh bien, je trouve que c'est trop tôt. Je vois. Je pense qu'elle aurait dû comprendre. Ce qui signifie alors que ce n'est pas elle. De quoi tu parles? Tu es venu dans le but de me tenter. Je pense que je ferais mieux de partir. Je crois que tu es allé trop loin. Linda! Arrête, lâche-moi! Viens ici! T'es dingue! Je m'excuse, il n'y avait pas d'autre choix. Je t'avais dit que ce n'était pas la bonne. Je la trouverai. Tu verras. Deux ans plus tard. Vous êtes sûr de vouloir ce travail? Oui. Mais vous avez beaucoup trop de diplômes. C'est exactement ce que je cherche. J'ai besoin de quelqu'un qui puisse porter du poids. Parce qu'avec mon pauvre dos, je n'ai plus la force de soulever les cartons. C'est trop lourd. Aucun problème. Vous avez réponse à tout. Je ne peux vous offrir qu'un petit salaire. Comment vous vivrez avec ça? Ah, bonjour Eric. C'est l'un de mes meilleurs clients. Il m'a acheté tellement de livres qu'il pourrait ouvrir sa propre librairie. Vous voulez vraiment travailler pour lui? C'est un vrai esclavagiste. Je cherche un petit travail à temps partiel. Vous êtes étudiante? Oui, je prépare une thèse de troisième cycle et de cette façon, j'aurai mon diplôme. Et vous étudiez quoi? La littérature. Donnez des leçons particulières au lieu de perdre votre temps dans ma boutique. Vous voulez autre chose? Non. En fait, si, je cherche une traduction du livre Un amour d'Ambrosi. Vous m'en avez parlé au téléphone. Oui. Un amour d'Ambrosi, c'est un livre rare. Vous le connaissez? Oui. Il parle du mythe de Cupidon et de Psyché. Il est considéré comme étant l'ouvrage de référence. Vous êtes collectionneur? En fait, je suis romancier. Elle connaît le sujet, je suis vraiment impressionné. Oui, et moi aussi. Je vous embauche. C'est vrai? Félicitations. Je m'appelle Eric Rhodes. Jennifer Taylor. Ah,
Jennifer, on doit y aller. Une petite minute. Je vous remercie. Je commence... Ce soir. Ce soir? Oui, je dois recevoir une livraison. En fait, il y en a deux. Ça représente beaucoup de livres. Alors, à 8 heures. À 8 heures. Merci. Mademoiselle, excusez-moi, c'est à vous? Oh, oui, c'est gentil. Merci. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si je l'avais perdu. C'est votre journal? Oui, c'est mon défouloir. Je peux y cacher mes... pensées, mes secrets. À bientôt, merci. Au revoir. Je dois dire qu'elle m'a fait un bon effet. Oui, à moi aussi. Je l'ai eu. Tu l'as eu? Oui. Oh, c'est génial, tu commences quand? Ce soir. Wow. J'adore l'odeur spéciale de cette boutique. Tous ces vieux bouquins. Je sens que mon allergie va se déclencher. Cette boutique sent le moisi et c'est plein de poussière. Vous voulez autre chose? Oui, le livre sur l'astronomie perse. Oui, je l'ai reçu, mais je dois le retrouver. Vous le voulez maintenant? Autant que possible. J'aurais dû embaucher Jennifer tout de suite. Mon dos recommence à me faire souffrir. Bien et toi? Bien, je te remercie. Alors, qu'est-ce que j'ai jamais rencontré ma sœur. Ah non. Je te présente Jennifer, elle habite chez moi. Je suis ravie de vous connaître. Oh, c'est génial. Ouais. C'était qui le gars avec qui tu parlais? Le vieux? Non, je te parle pas du vieux, de l'autre. Il m'a dit qu'il s'appelait Eric. Il est mignon, mais il faut être un peu bizarre pour fréquenter une boutique pareille. Ça veut dire qu'il sait lire? C'est pas ton genre, ma vieille. Jennifer, je sais pas comment te le dire, mais je vais essayer quand même. Je sais qu'on peut résoudre notre problème. Je t'aime, rappelle-moi, s'il te plaît. Je voudrais qu'il arrête de me téléphoner. Tu devrais discuter avec lui. Il n'y a rien à dire de plus. Et puis j'en ai marre de passer mon temps à jouer les mères poules. Il a tellement l'habitude que je fasse tout qu'il ne peut plus prendre la moindre décision sans moi. D'accord. Moi, je vais te dire ce que j'en pense. Un type qui ne peut pas penser tout seul et qui te demande ce qu'il doit faire, c'est l'oiseau rare. C'est parfait pour moi. Ce que je veux, c'est trouver un homme qui puisse s'occuper un peu de moi. Débarque, ma vieille. Tu vas faire quoi? Tu vas passer toute ta vie à attendre que ton chevalier servant se pointe? Non! C'est pas utile qu'il soit chevalier, juste un honnête garçon. En parlant d'autre chose, tu dois le voir quand, monsieur Chalet? À 8 heures au club ce soir. Il ne doit pas passer de prendre. Reviens sur terre, Jennifer. Tu as de la chance si un homme te tient encore une porte. Je crois que je suis un peu trop vieux jeu. Eh bien, maman se fière de toi. Tu es en retard, petit frère. Où es-tu allé? Dehors. Tu aurais dû appeler. Moi, je ne voulais pas. Le minutage est parfait. Qu'est-ce que tu regardes? Les poissons, ils sont juste au-dessus de l'horizon. Dans quelques jours, ça marchera. Alors, tu penses l'avoir trouvé? Possible. Je ne suis pas sûr. Excuse-moi. Suzanne, parle-moi de ton copain ou alors je mène ma propre enquête sur lui. Ah oui, chef. Il s'appelle Mike et il est super mignon. Il est mécano et il possède son garage. Celle-là ou celle-là? Celle-là. Alors, ce sera celle-là. Et des fois, je me demande si nous sommes sœurs. Oui, moi aussi. Si nos parents étaient vivants, ils auraient à fournir des explications. Si tu venais avec moi là-bas, tu pourrais peut-être trouver quelqu'un. Non, non, je te remercie, mais je ne trouverai pas l'homme de mes rêves dans un bar. C'est gentil. Entendu, si tu changes d'avis, passe au Queen of Art Club, j'y serai, d'accord? Oh, m'attends pas pour te piéter. Je ne crois pas que je dormirai à la maison. Je ne veux pas t'attendre. Salut, Suzanne. Hey, salut. Cherche Mike Logan, tu l'aurais pas vu? Non, pas encore. Il va pas tarder à venir. C'est pas le genre de mec à poser un lapin. Tu veux quelque chose à boire? Oh oui.
te promets que je changerai. Je ferai tout ce qu'il faut pour y arriver. Tu dis ça depuis des mois, Richard. Vois la réalité en face. Tu n'as pas du tout changé. Je vais bientôt venir à Los Angeles. On pourra en parler plus tranquillement. Non, ne viens pas, je t'en prie. Si, et puis j'ai des personnes à voir, de toute façon. Je dois te quitter. Au revoir. Eric ? Eric, c'est vous ? Je suis vraiment contente de vous revoir. J'ai repensé à vous depuis notre rencontre à la librairie. Pourquoi ne mentez-vous pas ? Écoute, je dois aller travailler. Tu travailles maintenant ? Oui, c'est l'occupation des grandes personnes, elles travaillent. Et si je ne suis pas dans les 10 prochaines minutes, je me fais virer au bout de la première journée. Je dois y aller, salut. Oui, attends, à plus attends, tard. Une minute. Au revoir. Désolé, je n'aurais pas dû vous faire venir ici aussi vite. Je parie qu'un samedi soir, vous avez d'autres choses plus intéressantes à faire. Pas du tout, au contraire. J'ai emménagé il y a 15 jours et je ne connais personne à Los Angeles à part ma sœur. Eh bien, ça fera deux à présent. De vivre autre chose que ce que je veux. C'est moi, mais je suis pas là. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Si vous l'ignorez, je serais ravie de vous l'apprendre. Jennifer, c'est Richard. Je t'aime toujours. Oui, c'est ça. Toujours pas là. Ce n'est pas dans son habitude. Heureusement que t'es encore là. Excuse-moi. Je suis plus là pour longtemps. Qu'est-ce qui t'arrive ? Tu t'es senti coupable de m'avoir posé un lapin ? Je suis désolé d'être en retard, mais j'ai dû aller remorquer la voiture d'un ami. Je croyais pas en avoir pour aussi longtemps. Tu aurais pu téléphoner au lieu de me faire poireauter plus d'une heure. Je suis désolé. Il m'a appelé au moment où je partais. Écoute, j'étais en pleine cambrousse. Je vais me faire pardonner. Tu veux aller où ? Chez moi. Bonne nuit, Mike. Excuse-moi. Je t'en prie, Suzanne. Tu as tout foutu en l'air. Je crois que cette fois, c'est rapide. Ouais. Yeah.
Suzanne, c'est moi, Mike. D'accord, c'est marrant. Ouvre la porte, je sais que tu es là. Suzanne, je suis venue pour m'excuser. Je veux pas te forcer à quoi que ce soit. Je suis pas le genre de gars à abuser de toi. Suzanne? Bon, d'accord. Tu n'aurais pas dû tenter le destin. Je voudrais que tu sois là, ta sœur qui t'aime. Suzanne, t'as passé une bonne soirée? Suzanne! Suzanne? Jennifer! Salut. Est-ce que tout va bien? Oui, Suzanne avait un rendez-vous hier soir, seulement elle n'est pas revenue à la maison. Oh! Mais ce qui est bizarre, c'est que sa voiture n'a pas bougé de place depuis son départ. Oh, écoute, Jennifer, te fais pas de soucis pour Suzanne. Il y a pas de raison. J'ai vu un garçon hier soir devant ta maison. Oui. Il avait l'air de la chercher. Elle est probablement partie avec lui. Tu as raison. Je reconnais bien là ta sœur. Nous avons passé le premier test. Ta chemise est fichue. Qu'as-tu fait avec ?
Elle s'est déchirée. J'ai joué au mécanicien. Ne me mens pas. Je sens son parfum dessus. La sale pute. Est-ce qu'elle s'est déjà donnée à toi? Ne parle pas d'elle de cette façon, Dana. Tu ne la connais pas. Elle est magnifique. C'est comme une apparition. Oui, comme l'était Linda. Non, Linda était une tentatrice. Elle est venue pour me tester. Mais Jennifer, c'est la balle. C'est mon destin. Eh bien, on verra. Oui, on verra. Maintenant, s'il te plaît, excuse-moi. Je vais me remettre à écrire. Je me sens inspiré. Bonjour. Tiens, vous êtes revenu. Carl vous a dit que j'étais son meilleur client. Dites, est-ce que vous pourriez m'aider? Je cherche un livre romantique. Eh bien, vous n'êtes pas dans le bon rayon, parce qu'ici, c'est la mythologie. Et toutes les histoires se finissent mal. Alors... Si par hasard, je voulais un roman d'amour, je cherche où? Dans les contes de fées? Oh, je n'ai jamais dit ça. Les romans d'amour, c'est différent des contes de fées. Jennifer! Téléphone! C'est ma sœur? Non, c'est un garçon, un certain Richard. Dites-lui que je suis occupée et qu'il m'appelle plus tard. Vous dînez avec moi ce soir? Oui, elle est avec un client, elle vous rappellera plus tard. Quoi? Vous venez dîner avec moi? Oh, waouh! Je voudrais bien... Mais je travaille jusqu'à 8 heures. Eh bien alors, à 8 heures. Jennifer, je peux vous demander quelque chose? Je sais que cela va vous sembler complètement dingue, car je réalise que je ne vous connais que depuis une journée. Mais il y a une chose que je dois vous dire, je suis complètement et totalement fou de vous. Je l'ai su dès le premier instant où je vous ai vu. Vous êtes la femme parfaite pour moi. Vraiment? C'est bizarre. C'est une impression pénible parce que... Car je me demande si cet amour est réciproque. Eric? Oui. Tu es drôlement beau. Merci. Pourquoi tu t'es habillé comme ça? J'ai un rendez-vous. Mais j'ai fait à dîner pour nous. Eh bien, mange tout. Je vais dîner avec Jennifer. Un jour proche, petit frère, tu comprendras qu'on a besoin de personne. Rien que nous deux. Comme ça l'était avant. Désirez-vous encore un peu de vin? Ça se passe bien, votre travail? Oh oui, pour l'instant. Au fait, je voulais vous remercier. Mais pourquoi? C'est grâce à vous si j'ai eu ce travail. Non, c'est à vous seul que vous le devez. Moi, je me trouvais là au bon moment et au bon endroit, c'est oui, tout. Si nous l'avions offert au destin. Alors, vous croyez au destin? Bien sûr, pourquoi pas? Il y a des croyances qui sont plus idiotes. C'était qui la fille qui est venue à la librairie? C'était votre copine? Oh, non, c'est ma sœur. Vraiment? Je sais, nous n'avons rien de commun. Elle n'est même pas rentrée hier soir. Elle sort avec de drôles de types. On ne peut pas faire confiance à n'importe qui. Et vous, pourquoi est-ce que vous venez si souvent prendre des bouquins chez Carl? Actuellement, je fais les recherches pour mon livre. Ça parle de quoi? Du mythe de Cupidon et de Psyché, de la façon dont il peut servir de guide pour construire des relations. Ce mythe nous montre comment le véritable amour peut triompher de n'importe quel obstacle. Vous êtes fleur bleue, on dirait. En fait, je crois qu'il existe une personne idéale pour chacun d'entre nous. Il faut chercher un peu. Le problème, c'est que la plupart des gens acceptent de vivre autre chose que le véritable amour. C'est amusant. Je viens d'écrire exactement la même phrase dans mon journal l'autre nuit. Alors, je crois qu'on est sur la même longueur d'onde. Oui, je crois aussi. Si on portait un toast au destin qui a permis notre rencontre. Oui, au destin. Est-ce que tout va bien?
Non. Je n'ai toujours pas de nouvelles de ma sœur. Je crois que je vais passer au club. Peut-être que quelqu'un l'aura vue. Je vous y conduis. Allons-y. Vous prenez quoi ? Oh, je suis à la recherche de ma sœur. En principe, elle est venue là hier soir. Elle s'appelle Suzanne et elle est blonde. Ah oui, Suzanne, je l'ai vue en effet. Elle n'est pas revenue chez moi. Elle avait un rencard avec un copain à moi, Mike. Un chouette gars. Il a un beau cul. Vous savez ce qui s'est passé ? Elle a poireauté un bon bout de temps au bar. Elle allait s'en aller au moment où il est arrivé. Il a inventé le dépannage bidon d'un copain pour excuser son retard. Suzanne n'a rien voulu savoir et ensuite elle est partie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Je crois qu'il l'a suivi. Mais j'étais en train de servir les gens en bar. J'ai un très mauvais pressentiment. Je vais appeler la police. D'accord. Vous pouvez utiliser notre téléphone ? Je suis sûre qu'elle va revenir. Tu t'appelles comment ? Eric. Et moi, c'est Jill. Eh bien, bonsoir, Eric. Oui, bonsoir. Je te sers à boire ? C'est moi qui offre bière, vin... Sex on the beach ? Non, ça va. Merci. Il faut avoir disparu depuis au moins 48 heures pour que ce soit une vraie disparition. Demain, elle sera probablement revenue. Elle va très bien. À mon avis, c'est plus que bien. Merci. Je suis désolée de vous avoir embarqué là-bas. Merci d'être venue. Je vous en prie. Et merci pour le dîner, c'était très chouette, j'ai passé une soirée magnifique. Moi aussi. La porte était ouverte. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je suis contente de te voir, Jennifer. Eric, je te présente Richard Miner. Richard, voici Eric Rhodes. C'est lui dont je t'ai parlé, le musicien. Il est de passage à Los Angeles. Soyez le bienvenu ici. Écoute, quand Suzanne sera là, téléphone-moi, d'accord ? Je serai rassurée quand elle sera rentrée. Oui, merci pour ce que tu as fait ce soir. C'est rien. Ravi de vous avoir rencontré, Richard. Oui, moi aussi. Ouh ! Eh ben, t'as été rapide en besogne, on dirait. Ça suffit, ne recommence pas. Mais c'est qui, ce gars ? Soupirant. Je t'ai dit que j'allais venir. Je pense que ça réglera les choses si on se parle en personne. Ça servira à rien de plus. Je t'aime, Jennifer. Non, Richard, tu as besoin de moi. Tu ne vois pas la différence pour l'instant. Écoute, il est tard, j'ai envie de dormir. Je peux t'appeler ? Ça ne mènera à rien. Tu le sais. Bonjour, mademoiselle. Oui ? Je suis l'inspecteur Thompson. Est-ce que vous êtes une amie de Suzanne Taylor ? Je suis sa sœur. Pourquoi ? Je vous apporte de mauvaises nouvelles. Jennifer, salut, c'est Eric.
Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh mon Dieu, je suis vraiment désolé. Oui, bien sûr. J'arrive immédiatement. Suzanne, je t'ai dit que je m'excusais. Je t'en prie, reste pas silencieuse. Vous l'avez reçu quand, ce message? Hier soir, quand j'étais sortie. Vous n'avez jamais rencontré Mike Logan? Non, je vous l'ai dit. Y a-t-il autre chose que vous ne m'ayez pas dit? Non, rien du tout. C'était leur tout premier rendez-vous et elle ne m'en a presque pas parlé. D'accord. Je vais interroger ce monsieur Logan, on verra ce qu'il a à nous dire. Je ne comprends pas pourquoi on l'a tué. On lui a volé quelque chose. Je suis vraiment désolé. Je te remercie d'être venu. Qu'est-ce qui s'est passé? Des promeneurs ont trouvé son cadavre dans les bois. Qui êtes-vous? Un ami de Jennifer, je m'appelle Eric. Est-ce que tu peux aller me chercher la clé plate de 12? Ouais, j'y vais, Mike. Oh merde, qu'est-ce que je veux pour vous? Vous êtes Mike Logan? Ouais. Inspecteur Thompson. Et alors? Pourriez-vous répondre à quelques questions? Ouais, mais sur quoi? Merci d'être venu avec moi. On ne devrait pas être forcé d'aller voir un parent à la morgue. Est-ce que ça va? Oui, merci. Qu'est-ce que je peux faire? Rien, il faut que je passe quelques coups de fil. La famille. Tu peux le faire de n'importe où. Je crois que l'essentiel, c'est que tu t'en ailles un moment. Que tu te vides la tête. Que tu ne sois pas plongé dans son atmosphère. Oui, d'accord. Bon. Tu habites ici? Oui, c'est une partie de l'héritage que j'ai touché quand mes parents sont morts. Oh, au fait, tu as peut-être faim ou soif, est-ce que tu veux que je t'offre quelque chose? Non, non. Oh, Jennifer, voici ma sœur, Dana. Dana, voici Jennifer Taylor. Ravie de vous connaître. Bonjour. Est-ce que je peux téléphoner? Je voudrais appeler l'inspecteur pour qu'il n'ait pas besoin de me chercher. Oui, bien sûr. Jennifer a reçu une terrible nouvelle aujourd'hui. Sa sœur vient de se faire tuer. Oh, c'est affreux. Je suis vraiment peinée. Il y a un téléphone juste à côté dans la salle à manger. Comment oses-tu l'amener à la maison? Je l'ai fait pour qu'elle ne pense pas à cette tragédie. Est-ce que tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois qu'une femme est venue ici? Oui, ce n'est pas la peine de me le rappeler. Tu as d'autres personnes à prévenir? Non, non, personne. J'arrive pas à croire qu'elle soit morte. D'abord, il y a eu mes parents, ensuite elle. Je peux pas supporter de savoir que son assassin court toujours. Même si je dois y passer ma vie, je finirai par savoir qui c'est. C'est un inséparable? Oui, c'en est un. Pourquoi n'a-t-il pas de compagnon? Il vient de mourir. Je n'ai pas eu l'occasion de lui en offrir un autre. Je m'excuse de vous déranger. Mademoiselle Taylor est là? Oui. Entrez, je vous prie. Merci. Jolie maison. Vous avez trouvé quoi? On interroge M. Logan. Il admet que votre sœur et lui se sont disputés. À cause de son retard. Ils sont restés séparément chez eux, c'est la dernière fois qu'il l'a vue vivante. Il a déjà un casier, il a été arrêté pour le vol d'une voiture quand il était adolescent. Nous avons un mandat de perquisition, on verra ce que ça donne. Et si vous ne trouvez rien du tout? Ne vous faites pas de soucis. On cherchera jusqu'à ce qu'on ait le coupable.
Le dîner était succulent. Je t'offre un cognac. Avec plaisir. Eric cuisine vraiment très bien. C'est moi le chef. C'est sa recette préférée. Vous cuisinez ? Non. Quand j'ai le temps. Je prépare tous les plats qu'adore mon frère. Vous avez l'air de prendre bien soin de lui. C'est ça. Vous avez une maison vraiment magnifique. Ces vitraux sont vraiment de toute beauté. Merci. C'est un de mes hobbies préférés. Dana est très talentueuse. Merci. Désolé, Jennifer, mais c'est pour ton bien. Ça doit être absolument parfait pour toi. Pour nous. Elle va rester combien de temps ? Juste une nuit. Il y a une chose dont je dois m'occuper, je ne serai pas bien long. Je lui dis quoi si elle se réveille ? Aucun risque. Au fait, je te félicite. Tu es bien prudent. Je pense que cette famille... Sa sœur... Tu l'as tuée ? Tu ne vas pas me faire croire que c'est une coïncidence que sa sœur soit morte le jour où tu l'as rencontrée. D'ailleurs, quand tu es revenue à la maison, ta chemise était déchirée. Qu'est-ce qu'elle a fait pour que tu doives la tuer ? Elle devenait gênante. Elle était en travers de mon chemin. Tu n'as rien d'autre à dire ? Non. Mais comment ton âme sœur va réagir quand elle le saura ? Jamais elle ne le saura. Jennifer, tu es là ? Une prochaine fois, peut-être. Comme c'est touchant. Une lettre d'amour. Tu as bien dormi ? Comme un bébé. Merci de m'avoir laissé dormir sur ton canapé. C'était normal. Je ne voulais pas te réveiller. Écoute, je veux que tu saches que je te comprends. Je sais quelle épreuve tu traverses.
J'ai perdu des membres de ma famille que j'aimais beaucoup. Mes parents sont morts quand j'étais très jeune. Et il y a de cela plusieurs années, j'ai perdu ma petite amie. C'était un accident horrible. C'était terrible. Terrible. C'était comme si mon amour n'avait eu aucune efficacité pour la protéger. Je crois que le destin a d'autres projets pour nous. Mais ça m'a appris que l'amour peut faire souffrir. C'est un risque à courir. Si on ne prend pas ce risque, on ne peut jamais vivre le véritable amour. Jennifer, on vous demande au téléphone, c'est l'inspecteur Thompson. Je vous remercie d'être venu aussi vite. Qu'avez-vous découvert? Je voudrais savoir si vous pouvez identifier ça. Oh mon Dieu. Vous le reconnaissez? Oui, c'était à Suzanne. Nous l'avons trouvé dans le camion de Monsieur Logan. Allez, passez-lui les menottes. C'est des conneries. Elle est jamais venue dans mon camion. Il perd son temps. Embarquez-le. C'est pas vrai. Je jure que j'ai pas tué votre sœur. Oui. Et moi, je suis blanc. Mettez-le au frais. On a aussi trouvé quelques mèches de cheveux qui pourraient bien appartenir à votre sœur. Le légiste est en train de les examiner. Les choses ont dû se passer ainsi. Il a suivi votre sœur chez elle, et il l'a tuée dans un accès de colère. Je suis désolé. Ne vous en faites plus. C'est fini, nous l'avons eu. Superbe travail, inspecteur. Merci infiniment. Tu viens, Jennifer ? Tu veux que je vienne? Je préfère pas, merci. Il faut que je m'y habitue. Et puis Viviane peut me tenir compagnie si je me sens seule. Si tu as besoin de quelque chose, téléphone-moi, d'accord? Tu en as fait suffisamment. Je dois m'occuper de son enterrement. Tu as été vraiment chouette. Merci. Je t'appellerai plus tard. Ça me fera plaisir. Quand l'amour est sincère, il triomphe de n'importe quel obstacle. Je ne veux plus d'elle dans ma maison, Eric. Désolé, mais elle est la bienvenue chez nous. La porte lui est ouverte. Tu ferais bien de te faire à cette idée. Tu es ma sœur. Ça n'avait pas d'importance pour toi avant. On peut revenir en arrière, comme c'était dans le passé. Tu te rappelles cette nuit-là? C'était si parfait, presque magique. Tu es venu vers moi en pleurant,
Et je t'ai serré très fort dans mes bras. J'ai commis une belle erreur. Et c'était il y a des années. On a de la compagnie. Qui est-ce? L'ex-ami de Jennifer. Son soupirant. Jennifer, vous n'avez pas eu mon message? Je vous disais de ne pas venir aujourd'hui. Il faut que je travaille, sinon je vais devenir complètement folle. Bon. D'accord. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Tu tiens le coup, Jennifer? C'est pour ça que tu es venue? En réalité, non. Je suis en train de mener une enquête sur ton petit ami. Tu fais ça? Tu es cinglé, je crois que tu es complètement malade. Écoute, je m'inquiète simplement. Je veux dire, tu ne connais pas ce gars, tu ne sais pas d'où il vient, ce qu'il fait. Alors j'ai décidé de venir à la bibliothèque et faire des recherches sur lui. Ah oui. Cette fois, tu es allé un peu trop loin. Oui, est-ce qu'il t'a dit que ses parents se sont fait tuer? C'est exact, un double homicide. La police a classé l'affaire dans la rubrique cambriolage. Ils n'ont jamais retrouvé l'assassin. Ouais, ce détail, il te l'a pas dit? Ah, tu sais, à mon avis, tu devrais lui demander pourquoi. Jennifer! Je dois retourner travailler. La porte. Qu'est-ce que tu es en train de faire? J'apporte un peu de nouveauté pour Jennifer. J'ai vu l'inséparable. Je crois que tu te trompes à son sujet. Tout comme tu te trompes au sujet de Jennifer, ce n'est pas la bonne. Ce n'est qu'une autre tentatrice. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne t'avais pas dit que Linda n'était pas la bonne. Je ne t'avais pas prévenu, mais tu n'en as fait qu'à ta tête, tout comme maintenant. Tout ce que j'espère, c'est que ta chérie aura plus de chance que Linda. Ce qu'elle a avalé a le goût d'une mauvaise chute. Ne t'avise pas de la toucher. Je te préviens, Dana. Je t'ai entendu taper à la machine hier soir. Oui, j'ai presque fini. Quand est-ce que je pourrai le lire? Tu ne pourras pas, c'est personnel. Eric, cependant, avant, tu me le permettais? Des choses ont changé. Je peux te demander quelque chose? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui est arrivé à tes parents? C'est vrai qu'ils ont été assassinés? Qui t'a raconté ça? Richard m'a dit des choses là-dessus. Oui, c'est vrai. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit? Raconte-moi tout. Je ne voulais pas que ça t'effraie. Ce n'est pas le genre de choses qu'on dit à une femme pour lui faire la cour. Ce n'est pas le genre de sujet de conversation qu'on aborde d'emblée. Je ne sais pas. Je m'excuse, c'est vrai, j'aurais dû te le dire. Je trouvais le moment plutôt mal choisi avec la mort de ta sœur. Mmh.
J'avais 12 ans. Et nous étions tous réunis dans la maison. Dans la maison de vacances de mes parents. Il y a eu un cambriolage. C'est là qu'ils se sont fait tuer. Au début, la police a cru que c'était une personne que la famille connaissait bien. Mais ils n'ont jamais trouvé quoi que ce soit de probant. Je suis vraiment désolée. Je ne voulais pas te faire parler d'un événement aussi douloureux. Il y a longtemps à présent. C'est oublié maintenant. Ferme les yeux. Avance encore un petit peu. Voilà, tu y es presque. C'est bon, ouvre-les. Oh, tu en as acheté un autre. J'ai pensé qu'il lui fallait une nouvelle compagne. Il a l'air beaucoup plus heureux. Il l'est. Regarde les étoiles. La nuit est magnifique. Regarde par là. C'est la constellation des poissons. Où Cupidon et Psyché ont été immortalisés par les dieux. Elles sont toutes pareilles, je vois pas la différence. Quand tu sais ce que tu cherches, c'est facile de trouver. Je suis né le jour de la Saint-Valentin. Ma mère disait en parlant de moi que j'étais l'ange de l'amour. Il y a une personne idéale pour tout le monde. C'est valable pour tous, pour moi aussi. C'est une croyance réconfortante. Tu connais le mythe ? Ah oui. Cupidon essayait d'aider la mortelle à trouver la personne parfaite. Et un jour, il rencontra Psyché, une mortelle. Ce fut le coup de foudre. Mais les dieux ne voulaient pas qu'une mortelle puisse épouser l'un des leurs. Alors ils décidèrent de tester le jeune couple pour voir si leur amour était sincère. Les dieux envoyèrent des tentatrices et des soupirants afin d'éloigner les amoureux. Mais ni Cupidon ni Psyché ne succombèrent à la tentation d'un amour trompeur. Ensuite, ils prirent Cupidon et Psyché, leur bandèrent les yeux et les envoyèrent séparément sur Terre pour qu'ils essaient de se retrouver. Mais ils n'avaient que 30 jours avant que la constellation des poissons ne disparaisse. Sans quoi le mariage leur serait interdit à tout jamais. Mais Cupidon était confiant et il dit « Nous n'avons pas besoin de nos yeux pour nous retrouver. L'amour sera notre guide. » Les 30 jours étaient presque écoulés quand Cupidon trouva Psyché et prouva une fois pour toutes que leur amour était éternel et sincère. Écoute, il faut que je te parle d'Eric. Richard, c'est pas le moment, je dois aller au cimetière. Laisse-moi t'emmener. Non, merci, c'est gentil de le proposer. Oh. Tu y vas avec lui, c'est pour ça? Écoute, je n'ai pas le temps de polémiquer là-dessus maintenant. Ah, tu as raison, je m'excuse. Et au fait, ne recommence plus à jouer au détective. Ah, tu lui as demandé? Il a répondu quoi? Ses parents sont morts dans un cambriolage. C'était un môme à l'époque. Est-ce que tu as une idée du choc? Oui, bien sûr, c'est sa version. Écoute, je ne connais pas l'histoire de ce gars, mais il n'est pas clair. Tu es jaloux? De ce type?
Je peux me servir du téléphone. Écoute, non, Richard, je dois y aller maintenant. D'accord. Surprise pour ton anniversaire. J'ai vu ce que tu as fait à la perruche. Oh, pauvre chose. Je crois qu'ils n'étaient pas faits pour être ensemble. S'il lui arrive malheur... Ne me menace pas. Souviens-toi, petit frère, je suis la seule famille qui te reste encore. Grâce à toi. Tu préférerais peut-être qu'il soit encore en vie. Je l'ai fait pour nous. Et puis t'as pas essayé de m'en empêcher, t'as rien dit à la police. Tu es complice, que ça te plaise ou non. Est-ce que tu lui as parlé de nos parents et de toutes ces années que tu as passées dans une institution? Est-ce que tu lui as appris la vérité sur nous? On ne lui parle jamais de nous. Pourquoi? Parce que les frères et les sœurs ne sont pas censés faire ça. Ah oui, je ne sais que ce que notre père m'a appris. Alors tu as été mal aiguillée comme lui. Oui, mais si cette fille t'aime vraiment... Je crois qu'il faut qu'elle sache la vérité. Je devrais le lui dire. Non! Attends! Tu ne lui diras rien du tout! Comment oses-tu faire ça? T'as pas le droit de me toucher! T'es comme notre père. Il a reçu le châtiment qu'il méritait. Elle ne l'apprendra jamais. Et je vais te dire quelque chose. Personne, et surtout pas toi, ne se mettra entre elle et moi. Et vu que nous en parlons, j'envisage de passer la Saint-Valentin demain soir, ici, en compagnie de Jennifer. Tu ferais aussi bien de t'éclipser. Non, j'ai déjà tout prévu pour demain soir. J'ai une surprise pour toi. Annule-la. Il ne faut pas forcer le destin, petit frère. Ça se termine en tragédie. T'es mieux placé que quiconque pour le savoir. Nous sommes réunis ici pour honorer la mémoire de Suzanne Ann Taylor, qui a été cueillie dans la fleur de l'âge. Elle est partie rejoindre un monde meilleur et elle a retrouvé ses chers parents. Nous pleurons sa disparition et bénissons les moments que nous avons partagés avec elle. On devrait y aller maintenant. Tu es sûre? Oui. C'est là où tu écris ton bouquin? Oui, j'ai presque fini. Quand est-ce que je pourrais le lire? Bientôt. Qu'est-ce que c'est? Oh, ça. C'est le temple d'Adonis. Il a été bâti par les dieux pour Cupidon et Psyché. Ça, c'est l'hôtel où ils ont été mariés et où ils vécurent toute leur vie ensemble. Ils moururent dans les bras l'un de l'autre, un geste qui les unit pour toujours dans l'autre monde. Je t'ai dit que ces histoires se finissent en tragédie. Écoute, je sais bien que ce moment est mal choisi pour fêter quelque chose. Mais demain, c'est la Saint-Valentin. C'est aussi mon anniversaire. Tu aurais envie de venir dîner avec moi ici, demain soir, hein? C'est une sorte de tradition. Bien sûr, avec grand plaisir. Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes Richard? Oui. Et alors? Je m'appelle Dana Rhodes, la sœur d'Eric. Vous êtes l'ancienne amie de Jennifer? Oui. Et alors? Est-ce que je peux entrer? Je ne sais pas comment vous le dire, mais... Mon frère n'est pas celui que Jennifer s'imagine.
Sans blague. Il y a un tas de choses que tout le monde ignore sur lui, sauf moi. Je pense que quelqu'un devrait lui dire la vérité. Oui, et pourquoi pas vous? Parce qu'elle vous écoutait et moi, elle ne me connaît pas. Et parce que je sais que vous l'aimez. Écoutez, personne n'a envie de la voir souffrir. En particulier après le décès de sa sœur. D'accord. Je vous écoute. Allô? Jennifer, c'est moi. Non, attends, s'il te plaît, ne raccroche pas, je t'en prie. J'ai plusieurs choses à t'apprendre sur ton petit copain. Veux-tu me lâcher les baskets? J'en ai vraiment ras-le-bol. Jennifer, écoute. J'en ai marre, je n'écoute plus rien, bonsoir. Dana ! Hé, mon vieux ! Bonne Saint-Valentin ! Jolie crèche ! Qu'est-ce que vous voulez ? Tu as hérité cette maison de tes parents. C'est atroce la façon dont ils sont morts, hein ? Et on n'a rien trouvé du tout. Le meurtrier se balade en liberté. À mon avis, tu dois être traumatisé, hein. Ça marque à vie. Écoute, vieux, si je te parle de tout ça... c'est que je suis au courant pour tes vacances longue durée. Chez les dingues. Tu étais à Smith Grove, n'est-ce pas? Comment le savez-vous? Ce n'est pas important. Le principal, c'est que je le sais. Oui, Smith Grove, une chouette maison. Et c'est pas donné. Mais, apparemment, le fric, c'est le cadet de tes soucis. Vous voulez du fric, combien? Non. Quoique, ce n'est pas une mauvaise idée. Non, je veux une chose que... qui ne s'achète pas, un objet qui n'a pas de prix. À ce que je vois, la santé mentale, ça ne s'achète pas non plus, mais c'est une autre paire de manches. C'est vrai, mais c'est du passé. Je vais beaucoup mieux à présent. Je ne sais pas si Jennifer serait de cet avis. Pas vrai? D'accord. Dites-moi ce que vous voulez. Je veux que tu arrêtes de voir Jennifer. Ou alors elle saura tout à propos de tes vacances prolongées. Et quel motif je lui donnerai? C'est à toi de voir, tu n'as qu'à y réfléchir un peu. Et fais gaffe à ce que tu vas dire parce qu'elle est fragile maintenant. D'accord? Cette petite surprise risque de lui causer un vrai choc. Et de la faire revenir vers vous? Tu as tout deviné, mon vieux. Et pour un dingue, tu piges vraiment vite. Et si je refuse? Je ne pense pas que tu vas courir ce risque. Je crois que vous êtes dingue. Vous pensez que c'est comme ça que vous allez la reconquérir? Au fond d'elle-même, c'est moi qu'elle aime. Et si tu ne t'en étais pas mêlé, tout baignerait avec elle maintenant. D'accord. Vous avez gagné. T'as fait le bon choix. Je crois que ce qu'on dit est vrai. En amour ou à la guerre, il n'y a pas de triche. Bon, je le lui dirai dès qu'elle viendra me voir. Oh, non, pas question. Tu l'appelles maintenant. Ou c'est moi. Allô, Jennifer? Écoute... Ça va, merci, toi? Oui. Et bon, écoute, je t'appelle parce que... voilà, je ne peux plus te revoir. Non, ça ne se passe pas comme je l'aurais voulu. Et je... Attends. Quoi? Dis-lui... Dis-lui que tu sors avec quelqu'un d'autre. Je vais être franc avec toi, Jennifer, je sors avec une autre fille. Je pense pas que ce soit important. Je m'excuse. Pourquoi tu ne lui demanderais pas toi-même? Je vais te le passer, il est juste à côté de moi. D'accord. Parfait. Elle veut te parler.
Grim Dog, il sera exactement. L'amour, c'est la guerre, Richard. On dirait qu'il manque une photo dans le portefeuille de votre sœur. Je me demandais si vous pouviez identifier ça. Le labo a été capable de relever les empreintes. Elles semblent provenir de quelque chose écrit au dos d'une photo qui se trouvait là. Oui, c'est un mot que j'avais écrit à ma sœur. C'est votre photo qui a disparu ? Où étais-tu ? Parti régler une affaire en suspens. Pourquoi t'es-tu bien habillée ? C'est ton anniversaire. Je t'ai dit que j'allais le fêter avec Jennifer. Oh, c'est pas une raison pour que je ne me fasse pas belle pour toi. T'es allée chercher le champagne. Oh mon Dieu, j'ai oublié. Tu as oublié ? J'ai été trop occupée à préparer ta surprise. Tu ne gâcheras pas ma soirée. Si Jennifer arrive, dis-lui que je reviens tout de suite. Elle ne viendra pas. Bonsoir, Jennifer. Eric est là ? Non, il est sorti, mais je pense qu'il ne devrait pas tarder. Qu'est-ce qui vous amène ? Je dois dîner avec Eric et il ne vous a rien dit ? Oh, il ne me dit plus rien de ses projets maintenant. Est-ce que vous avez discuté avec Richard ? Quoi ? Richard ? Comment connaissez-vous Richard ? Aucune importance. Non, attendez un petit peu. Je veux savoir de quoi vous parlez. Je veux savoir si vous avez discuté avec lui. Je vous rappellerai dès que possible.
C'est la femme de ménage qu'il a trouvée ce matin. Il s'était pendu. Il a écrit quelque chose sur son ordinateur. Eh bien, nous allons pouvoir le lire. Il n'y a pas vraiment de lézard. Pourquoi vous m'avez fait venir? C'est pas un homicide. Non, mais nous avons trouvé cette note dans sa poche. C'est l'adresse de Jennifer Taylor. Est-ce que c'est par la sœur de la fille qui s'est fait tuer? Bon, alors messieurs, vous allez me dire que c'est une coïncidence, hein? Saint-Valentin. Eric, tu m'as fait une de ces peurs. Il a fallu que je sorte. Où est-ce que tu vas? Je voulais aller mettre la voiture ailleurs pour te faire une surprise. Oh. Bon anniversaire. Oh, tu es pleine d'attention. J'ai un petit cadeau pour toi dans ma voiture. Je vais aller le chercher. Oh, ça peut attendre. Cette soirée n'est pas pour moi. Elle est pour nous deux. Tu es vraiment romantique. Tu viens? J'ai quelque chose à te montrer. Je crois que, quand tu le verras, tu comprendras. Viens voir. C'est le temple d'Adonis. Cupidon et Psyché se sont mariés. C'est là qu'on va s'étreindre. Et nous serons mariés. Avec ces gobelets, nous boirons l'ambrosie. Qu'est-ce qui se passe ? Laisse-moi t'expliquer. C'est toi qui tues ma sœur. C'était une tentatrice. Elle devait mourir pour qu'on puisse être réunis. Tu es fou furieux. T'es dingue. T'es qu'un fils de pute. Mais c'est ce que tu voulais. Le véritable amour. Tu l'as écrit dans ton journal. Jennifer, nous sommes faits pour être ensemble. Suzanne n'était qu'une tentatrice. Et Richard jouait aussi ce rôle. Tu t'en rends compte? Richard? C'était des amours illusoires. Ils étaient là pour nous séparer. Tu es dingue. Non. Je t'aime, Jennifer. Je suis désolé, mais c'est nécessaire. Au fond, je sais que tu m'aimes. Je ne t'aimerai jamais. Si, tu m'aimeras! Plus tard, tu comprendras pourquoi je dois faire ça. Tu sais, chérie, nous sommes faits l'un pour l'autre. Excuse-moi.
C'est encore moi. Je suis désolé de vous déranger, mais je voudrais parler à Mademoiselle Taylor. J'ai peur qu'elle ne soit pas là. C'est pas sa voiture ? Si, c'est la sienne. Elle a pris la mienne pour aller en ville, elle avait un problème de travail. Je peux entrer ? Oui, je m'excuse, j'oublie les bonnes manières par ici. Vous savez quand elle va revenir ? Dans une heure, au maximum deux. Y a-t-il autre chose que je puisse faire ? Je viens malheureusement lui apporter de mauvaises nouvelles. Son ex-petit ami, Richard Miner, vient de se suicider cet après-midi. Oh mon Dieu, c'est vraiment affreux. Il a donné une explication. Il a laissé une lettre. Le truc classique, comme quoi il ne pouvait pas vivre sans elle. Bon, je pense que vous retrouverez la sortie tout seul. Je m'excuse, je dois monter. J'ai du travail à finir. Pas de problème. Rendez-moi un service. Dites-le lui en douceur. Elle doit être dans tous ses états avec le meurtre de sa sœur. Et maintenant ça. Oui, c'est une situation difficile. Je veux dire, les maladies d'amour, c'est triste, mais est-ce que c'est une raison pour se pendre ? J'ai dit comment il s'est suicidé ? Non, vous n'avez rien dit. N'est-ce pas ? Plus un geste. Cette fois, vous êtes fait. Vous êtes en état d'arrestation. Vous aurez à répondre à pas mal de questions. Alors, de tuer les gens, ça te fait du bien ? Non. C'est moi. Libère-moi ! T'as vu comme je m'occupe de toi ? Mets sa voiture dans le garage, je m'en débarrasserai plus tard. J'ai fait ça pour nous, Eric, pour nous, pas pour elle. Vas-y, rentre la voiture, Dana. Dana, bon Dieu. Oui, c'est le moment de l'appeler. Dana ! Je ne veux plus que tu t'interposes entre nous, Jennifer. J'aime Eric. Dana. Non.
Il faut qu'elle meure, sinon elle ira tout dire à la police et ils t'enfermeront. Pour de bon cette fois. Non. Je la garderai ici. Tu crois qu'elle te pardonnera d'avoir tué sa sœur? Il n'y a pas d'autre solution. Le policier est mort et il faut qu'on s'en aille ce soir. Rick, ce n'est pas vrai. Je t'aime encore. Je t'en prie, ne la laisse pas nous séparer. Pose ton revolver. Elle ment, tu ne t'en rends pas compte? Elle dit n'importe quoi pour sauver sa vie. Eric, tu connais la vérité. Dana est jalouse. C'est le test final. Elle essaie de nous séparer. Tu sais très bien qu'on est fait l'un pour l'autre. Ça suffit! Ce n'est qu'un mythe, rien qu'un conte de fées. Il n'y a rien de vrai dans cette histoire. Qu'est-ce que tu dis? Tu vois, elle ne t'aime pas. Pas comme moi, en tout cas. Tu ne m'as pas laissé le choix. Elle ne t'aura pas non plus. Je t'aime, Eric. Jennifer! Chérie! Je vais mourir, Jennifer! Mais je te promets de ne pas partir sans toi! Il faut qu'on meure ensemble! Nous serons unis pour l'éternité! Et alors personne ne nous séparera! Ton amour est sincère. Oui. Il est temps maintenant. Il est temps que nous partions. Mon ange. Oui, c'est vrai. Tu as raison. Le baiser d'adieu. L'amour est douloureux. Pièce du haut. Ils sont morts. Vous n'avez rien? Non. Sortons de cette maison. Ouais. Je vais appeler les secours. Je vais vous faire un aveu. Je pense qu'en coffrant l'autre, on a fait une erreur sur la personne. C'est classique. Quoi? L'erreur sur la personne, c'est l'histoire de ma vie. Ouais.